appeler les passagers. Parce que il y a des passagers, on a beau leur faire des signes, ils comprennent toujours pas qu'il faut monter, alors des fois on corne. On a les dimanches aussi, on a les essais. Normalement ça va se faire tous les matins, mais bon, on va pas embêter les gens à 5h30 du matin. Donc ça c'est des essais à faire aussi. Et sinon normalement la corde de brume, elle sert essentiellement quand il y a la brume. Normalement toutes les 2 minutes il faut corner. C'est un bateau, c'est comme une voiture, il y a des fois ça tombe, il y a des petites pannes. Donc il faut que tu gères, faut gérer la manœuvre avec ça. Vous avez les paquebots, alors on va avoir le sablier qui va passer. Bon, c'est pas gros, mais on a pas mal de passages. On a des petits porte-conteneurs, on a même le plus petit pétrolier qui passe. On a beau avoir le même trajet, on fait jamais la même chose en fait. Selon le courant, comment c'est l'eau, comment c'est aussi au niveau de la cale. Parce que ici, tu vois, ici t'as un contre-courant, on appelle ça, qui nous approche de la berge. Donc il faut faire attention. De l'autre côté, on n'a pas ce problème-là. Il y a toujours un côté en loi où c'est un peu plus embêtant.